1496. Le premier eunuque a eu sec à Paris. Il est arrivé ici beaucoup de femmes du royaume de Visapour. J'en ai acheté une pour ton frère, le gouverneur de Mazatéran, qui m'envoya il y a un mois son commandement sublime et saintement. Je me connais en femme, d'autant mieux qu'elles ne se surprennent pas, et qu'en moi les yeux ne sont point troublés par les mouvements du cœur. Je n'ai jamais vu de beauté si régulière et si parfaite. Ses yeux brillants portent la vie sur son visage et relèvent l'éclat d'une couleur qui pourrait effacer tous les charmes de la Circassie. Le premier eunuque, qui négociait 10 afants, m'a marchandé avec moi, mais elle se dérobait dédaigneusement à ses regards et semblait chercher les miens, comme si elle avait voulu me dire qu'un vil marchand n'était pas digne d'elle, et qu'elle était destinée à un plus illustre époux. Je te l'avoue, je sens dans moi-même une joie secrète quand je pense au charme de cette belle personne. Il me semble que je la vois entrer dans le sérail de ton frère. Je me plais à prévoir l'étonnement de toutes ces femmes. La douleur impérieuse des unes, l'affliction muette mais plus douloureuse des autres. La consolation maligne de celle qui n'espère plus rien, et l'ambition irritée de celle qui espère encore. Je vais, d'un bout du royaume à l'autre, faire changer tout un sérail de face. Que de passion je vais émouvoir, que de craintes et de peines je prépare. Cependant, dans le trouble du dedans, le dehors ne sera pas moins tranquille. Les grandes révolutions seront cachées dans le fond du cœur. Les chagrins seront dévorés et les joies contenues. L'obéissance ne sera pas moins exacte et la règle moins inflexible. La douceur, toujours contrainte de paraître, sortira du fond même du désespoir. Nous remarquons que plus nous avons de femmes sous nos yeux, moins ça nous donne d'embarras. Une plus grande nécessité de plaire, moins de facilité de s'unir, plus d'exemples de soumission, tout cela leur forme des chaînes. Les unes sont sans cesse attentives sur les démarches des autres. Il semble que de concret avec nous, elles travaillent à se rendre plus dépendantes. Elles font une partie de notre ouvrage et nous ouvrent les yeux quand nous les fermons. Que dis-je, elles irritent sans cesse le maître contre leur rival. Elle ne voit pas combien elle se trouve près de celle qu'on punit. Mais tout cela, magnifique Seigneur, tout cela n'est rien sans la présence du Maître. Que pouvons-nous faire avec ce vain fantôme d'une autorité qui ne se communique jamais tout entière? Nous ne représentons que faiblement la moitié de toi-même. Nous ne pouvons que leur montrer une odieuse sévérité. Toi, tu tempères la crainte par les espérances, plus absolue quand tu caresses que tu ne l'es quand tu menaces. Reviens donc, magnifique Seigneur. Reviens dans ces lieux portés partout les marques de ton empire. Viens adoucir des passions désespérées. Viens ôter tout prétexte de faillir. Viens apaiser l'amour qui murmure et rendre le devoir même aimable. Viens enfin soulager tes faibles eunuques d'un fardeau qui s'appesantit chaque jour. Du sérail d'Isaphan, le 8 de la lune de Tillaguet, 1716.